Donc nous sommes aujourd'hui samedi 10 mars 2018. Je vais continuer ce que j'ai commencé hier. Alors, dans un premier temps, vous noterez que trois étiquettes, trois repères sont apparus soudainement. Effectivement, il est fortement conseillé quand on fait quelques semis de repérer ce qu'on a semé. Voilà. Donc je vais continuer et je vais continuer par. Tiens, c'est bizarre, il m'en manque une. Il me manque une boîte. Bon, c'est pas grave. Je vais donc continuer. Si, d'accord, elles sont là, elles sont à côté. Alors aujourd'hui, je ne vais pas semer des graines qui ont été humidifiées auparavant. Je vais juste, à l'aide de mon petit outil que j'utilisais déjà à certaines reprises précédemment, une pince à épiler. Je vais semer des graines que j'avais récoltées précédemment et mises à sécher. Deux petites rangées. Pour avoir un peu plus de chance. Me resservir un peu plus tard dans la saison, mais également éventuellement l'année prochaine. Et je vais de suite leur mettre leur point de repère, qui est ni plus ni moins que un semis de tomates cœur de bœuf avec des points d'interrogation, car je ne me souviens plus. Ça remonte pas très longtemps, mais je me souviens plus de quelle année je les avais récupérés. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai repéré aussitôt ce que j'avais besoin de repérer, c'est-à-dire ma rangée de semis. Je vais vider un petit peu ce que j'ai là. Je vais à nouveau essayer avec ma pince à épiler. Voilà. Une.
5. Et là, je vais mettre mon repère. Qui est celui-ci voilà. Et ensuite je vais préparer le troisième repère qui va être encore une série de graines que j'avais humidifiées. Je n'ai préparé que 5 graines, mais c'est pas grave, hein, ça fait beaucoup de. Comment dire, ça fait. En tout, ça fait quand même un semis relativement important. Et en tout, si je compte une moyenne de 5, ça me fait 30 pieds de. De tomates. Et je n'ai pas besoin de 30 pieds de tomates. Il vaut mieux un semer plus. Parce qu'avec une dizaine, voire une douzaine de pieds, j'aurai très très largement assez. Alors pourquoi aussi suis-je acharné sur les cœurs de bœuf? C'est tout simplement parce que c'est une variété de tomates qui fait des grosses tomates, et les grosses tomates ont un très gros avantage, c'est qu'on peut les farcir et en manger si on peut tout l'hiver, si on en a produit suffisamment. Voilà, donc ça a été repéré. Voilà, tout est fait, tout est prêt. Je vais mettre un petit peu de terreau par-dessus. Comme j'ai fait hier. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vous dis aussi, c'est qu'à l'heure qu'il est, ben, le match a démarré depuis une demi-heure. Je suis un fanat de rugby, mais bon, d'après le calendrier lunaire de Gerbault, les tomates c'est aujourd'hui, c'est-à-dire les plantes à fruits, les semis de plantes à fruits, c'est aujourd'hui. Alors, petit test, qu'est-ce que va me dire l'arrosoir? Voilà.
maintenant, je vais recouvrir tout ceci. Il est là. Je vais enlever mon bac, la mini serre, la déplacer. Et je fais passer à la préparation suivante. Donc j'ai préparé en fin de matinée. J'ai préparé en fin de matinée de façon à faire du concombre récolté maison. Du poivron corne. Du melon charentais qui était extra. Alors, je vais commencer par le concombre. il y en aura 12, mais c'est pas grave. Je n'ai jamais réussi le concombre jusqu'à maintenant. Et je ne suis pas sûr du tout que cela va fonctionner. Mais bon, c'est pas un gros problème. Voilà pour les concombres. Ensuite, j'ai
petit poivron et du melon. Il s'agit de poivrons également récupérés sur des pieds de poivrons. Ça, ça va être le poivron, c'est le poivron maison. Donc le poivron maison, je vais le mettre ici en deuxième parce que je n'ai pas préparé son étiquette. Maintenant, on va passer au mélange.
présenter. Ça sera pareil. Il me faut préparer son étiquette. Donc, je vais le mettre ici. Celui-là me fait déjà plus confiance que le premier que j'ai mis tout à l'heure. Donc au risque de me répéter, je vous ai dit tout à l'heure que le match de rugby avait commencé. Il a commencé à 15h15 et il s'agit de Irlande-Écosse. Je vais donc faire une petite pause parce qu'ensuite j'aimerais continuer sur des poivrons, des aubergines, des pastèques et je vais entre-temps aller voir où ils en sont. Alors, à de suite. Donc, me voici de retour. Je viens d'aller jeter un coup d'œil au match. Et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, l'Irlande mène 14-3. Voilà. Alors, Melun-Charentais, c'est ici. J'ai pris le temps, quelques minutes, pour préparer deux étiquettes que j'avais oublié de préparer ce matin. Et l'autre, c'est le poivron corne qui vient ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer à 2-3 composants supplémentaires. 1, 2. Et je pense que les semis auront bien avancé pour aujourd'hui, parce que la semaine prochaine j'ai l'intention de recommencer à cause du décalage des melons poivrons. Ok, donc je peux faire ici, je peux faire aubergine. J'en ai préparé 2, 4, 6.
6. J'ai donc dit que c'était de l'aubergine. Oh tiens, une étiquette toute mauve. En plus, je l'ai datée. Voilà. Je vais essayer. Et là, ça sera à nouveau des graines sèches. L'inconvénient de la pince à épiler, c'est qu'il ne faut pas trop serrer. Sinon, on pourrait écraser les graines. Et ça, c'est pas bon pour le. Pour la germinaison et le développement. Ça, on va mettre de côté. Et je vais à nouveau utiliser une graine préparée dans de l'eau. Ce sont des pastèques. Récolté maison, des sugar baby, trois et quatre sept. Allez. Non, il y en a 8. 5. Six.
et 8. Voilà. Donc, comme précédemment, c'est-à-dire hier, je vais mettre un petit peu de terre au-dessus. Niveler un peu. Tasser légèrement. De flotte. Et si ça veut rire, si ça veut rire, dans quelques minutes, je serai à nouveau devant le match de rugby. Tout ça c'est fait. Mettre mon premier semis ici devant. Voilà. Et c'est bon, je coupe pour aujourd'hui et je reviendrai peut-être tout à l'heure. Allez, à plus. Ciao. Voilà, donc c'est reparti. Les Irlandais ont gagné 28 à 8. Et là, je suis reparti. Donc j'ai mis des courgettes. Je vais continuer par du concombre. Ça, ce n'est pas du maison, on verra plus tard quand j'aurai réussi à en récolter. Que je fais ma pince épilée.
comment, j'ignore. Courgette verte d'Alger. Bien, c'est que c'est des grosses graines. Cinq. Et maintenant, on va faire une tentative avec du basilic. Tout simplement parce que j'utilise le basilic entre chaque pied. Chaque pied de tomate avec de l'ortie au pied de chaque pied de tomate, et ça permet aux tomates de résister aux maladies. Je n'ai jamais utilisé de sulfate de cuivre, c'est-à-dire de bouillie bordelaise. Ça va être dur. Là, ça va être dur, mais j'ai mon petit semoir. Donc, je vais en mettre. Bon, voilà. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment minuscule. Un peu quand même. Et le plus petit il est là. Voilà.
ça m'intéresse pas. Un petit bout de bois pour marquer là où j'en suis, un petit coup d'arrosage. Remettre. Son couvercle à celle-ci. Celle-ci. Tout est bien fermé. Voilà, terminus. D'ici une dizaine de jours, je ferai à nouveau quelques tentatives, sauf si bien sûr ça s'est bien passé par là. Voilà. À la prochaine. Ciao.